Salut tout le monde, c'est Azrox. Du coup aujourd'hui on se trouve pour toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online en 1.50 pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette vidéo, ça va être pour vous présenter trois nouvelles astuces pour comment gagner de l'argent facilement. Donc rien de très compliqué pour la première astuce. Donc ça va être une petite astuce bonus en plus des trois. Ça va être de s'abonner à ma chaîne YouTube, car vous aurez énormément de vidéos comme celle-ci et même de vidéos de glitch pour faire des duplications, de glitch pour avoir de l'XP, de l'RP, vraiment plein de tutos et de petites astuces sur GTA sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, même des glitches pour avoir des magnifiques tenues modées ou même des tenues basiques. Donc je compte sur vous pour vous abonner en masse pour me faire atteindre les 50 000 abonnés. Puis le plus gros objectif, c'est vraiment les 100 000 abonnés. Donc pour la première et réelle astuce, ça va être une activité qui se trouve en description pour être en AFK. Donc vous allez vous rendre dans Start en ligne, jouer activité favori une fois que vous l'aurez mis en favori, et ça va être une épreuve de survie. Donc vous allez valider tous les paramètres, vous n'avez rien besoin de toucher car c'est une activité AFK. Donc vous faites confirmer les paramètres et vous lancez l'activité tout seul. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait l'activité, puis je vais vous mettre en AFK pour vous montrer. Donc là, en gros, il y a des PNJ, donc en gros les gars qui doivent vous attaquer pendant la survie, qui vont spawn tout en haut et qui vont tomber, et en fait du coup ils vont mourir et ça va passer la manche comme si vous aviez tué tout le monde en gros. Donc là voilà, ils spawn puis ils tombent, et comme vous pouvez voir, la vague 1 elle avance quand ils meurent, et on va passer à la vague 2 très rapidement. Donc voilà, vous vous mettez AFK, vous mettez vos deux joysticks par exemple avec un élastique et votre personnage va faire que tourner et ça va pas vous faire exclure. Cette activité, elle a 20 manches, donc en gros c'est un AFK de, on va dire, 15-20 minutes en quelque sorte. Donc par exemple, si vous allez manger ou vous allez faire quelque chose et que vous voulez continuer à gagner de l'argent sur le jeu, par exemple si vous partez 15-20 minutes, mettez cette activité, elle est très bien. Et plus tard dans la vidéo, je vous montrerai une activité pour vraiment faire un AFK par exemple toute la nuit ou même sur 2 jours. Je vais vous montrer une grosse activité AFK qui va vous rapporter énormément d'argent. Celle-ci, c'est vraiment si vous faites une petite pause ou partez de temps en temps 10-20 minutes, vous lancez cette activité AFK et sera parfait. Donc voilà, je vais vous faire une petite coupure et on va se retrouver du coup à la dernière manche, à la 20e manche. Comme vous pouvez voir, j'ai atteint la vague 20 et je vais gagner 36 000 $ et 2000 RP. Donc on gagne pas beaucoup en RP. Après, en dollars, c'est quand même pas mal pour un AFK, c'est de l'argent en plus à se faire. Donc pour la deuxième petite astuce, ça va être vraiment très simple aussi. Elle est assez connue, mais je compte vous la présenter dans ces petits top 3 en quelque sorte de petites astuces. Je vous l'avais pas présenté encore. Vous allez vous rendre au casino et suivre le même chemin que moi. Donc là, par exemple, si vous n'avez pas la suite du casino, je vous conseille de vous mettre à cette table-là quand il n'y a personne. Et sinon, si vous avez la suite du casino comme moi, vous allez pouvoir miser beaucoup plus et vous faire beaucoup plus d'argent rapidement. Donc vous allez vous mettre ici sur cette table-là et vous allez jouer au blackjack. Donc je vais vous expliquer un peu comment aussi gagner plus facilement en jouant au blackjack. Donc d'abord, vous allez vous mettre dans vos paramètres réseau et vous positionner sur se connecter internet. Vous allez appuyer 2 fois sur le bouton PlayStation de votre manette très rapidement et vous allez pouvoir remarquer que ça vous ramène dans le jeu. Donc là, je vais faire triangle pour faire la mise maximum qui est de 50 000 jetons, donc 50 000 dollars dans le jeu. Et voilà, on va commencer à jouer. Donc il me distribue 6, il me distribue un 8, donc en tout on a 8 et lui il a 10. Donc comme on n'a pas beaucoup, vous allez faire pour repiocher une carte, donc tirer. Et si vous êtes au-dessus de 17, vous faites rester. Donc là, on a 19, voilà. On a gagné 100 000 jetons. Donc on a gagné le double, donc 100 000 dollars. Donc on peut, avec cette astuce, gagner énormément d'argent très rapidement. Quand vous gagnez, vous allez dans style, pavé tactile, style, et vous changez de tenue. Vous mettez une tenue, vous attendez que le rond jaune en bas à droite de votre écran se termine et là vous allez remiser 50 000 jusqu'à temps que de perdre en quelque sorte. Donc là je crois que dans le gameplay j'ai perdu, donc là voilà, j'avais 17 et du coup bah j'ai pas tiré d'autres cartes et le croupier a eu blackjack, du coup j'ai perdu. Donc là très rapidement, donc vous avez quand même votre temps,
Dès que vous avez perdu, vous faites double PS et vous décochez la case se connecter à internet. Vous retournez dans le jeu et voilà, ça va vous déconnecter. Vous reconnectez à internet et voilà, je vais vous passer en accéléré un peu tout ça. En gros, il faut juste couper sa connexion. Quand vous perdez, vous n'avez pas un gros timing à avoir, vous avez quand même le temps avant qu'il y ait une sauvegarde qui s'effectue. Donc ça, je vais vous passer jusqu'à temps qu'on se retrouve dans le casino. Voilà, comme vous pouvez remarquer, dans le casino, j'ai toujours mes 127 000 jetons que j'avais gagnés auparavant quand j'avais changé de tenue. Et je vais pouvoir renchaîner la manipulation. En gros, ça vous permet de jouer au blackjack sans jamais perdre de jetons. Du coup, faire que gagner en quelque sorte. Et du coup, ça vous permet de miser des 50 000 par 50 000. Et dès que vous perdez, bam, vous coupez la connexion. Cette astuce marche pour tout. Elle marche pour la roue de la fortune. Je vous l'avais déjà présenté pas mal de fois. Elle marche même pour les petites machines. Mais pour les petites machines, c'est pas assez rentable. Du coup, je vous conseille vraiment le blackjack. Et tous les jours le faire aussi pour la roue de la fortune si vous voulez gagner de l'argent, ou alors tous les jours la voiture. En sachant que la voiture vous pouvez la gagner qu'une seule fois par semaine. Donc cette fois-ci pour la dernière astuce, ça va être une activité, une capture que je vous avais déjà présentée il y a pas mal de temps sur la chaîne YouTube. Mais je vous avais oublié de vous préciser un petit truc et je l'avais dit en commentaire. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Pour lancer cette activité et avoir les 999 manches, il faut être absolument en session sur invitation. Et tout seul. Ça peut marcher en session sur ami et tout seul dans la session aussi, mais je vous conseille vraiment session sur invitation tout seul et vous ne touchez pas les manches. Du coup, vous allez lancer l'activité et vous allez voir que là, manche à reporter, 999 manches. Surtout, ne touchez pas aux manches, sinon ça va remettre 4 manches et il faudra retourner dans la session sur invitation tout seul. Donc là, vous confirmez les paramètres, vous invitez un ami de préférence pour qu'il reste avec vous faire le AFK toute la nuit par exemple, et je vais vous dire combien vous gagnez parce que c'est l'activité qu'on gagne le plus en AFK sur GTA. Donc, je vous explique le concept. Vous bloquez vos joysticks pour qu'ils tournent comme ça avec la vue, et en fait votre personnage va ramasser des caisses et va automatiquement les poser, ce qui va vous faire gagner la manche. Quand la manche sera terminée, ça va être à votre ami qui va tourner tout seul, pareil comme moi, et qui va ramasser des caisses etc. pour les reposer. Comme ça, en gros, ça fait un système de vous gagnez, vous perdez, votre ami gagne en quelque sorte, vous gagnez, il gagne, vous gagnez, il gagne. Comme ça, vous faites le max de manches et en gros, vous allez faire chacun. Donc vous, par exemple, vous allez gagner 999 manches et votre ami va gagner 998 manches. Donc c'est vraiment pas négligé. Comme vous pouvez voir pour la deuxième manche, voilà, je tourne pas, je ramasse pas les caisses. J'ai juste mes joysticks bloqués et voilà, je peux laisser toute la nuit, ça va passer toutes les manches, etc. Et mon ami ramasse tout seul automatiquement, sans être devant son écran, les caisses. Donc là, je vous montre un petit screen que à la fin des 999 manches, on gagne 4 559 000 $. C'est vraiment énorme et votre ami gagne 4 522 000 $. Bon, ça peut varier à quelques dollars, mais voilà, vous faites un bon 4 500 000 sur cette activité. Donc si vous faites les 999 manches en sachant que vous, en tout, comme vous faites ça deux fois pour votre ami, vous faites environ 2000 manches. Si vous faites vraiment 2000 manches, ça peut durer une nuit et une bonne journée derrière. Mais si vous faites par exemple que la nuit, vous gagnez environ 1 200 000 $. Donc c'est déjà pas mal et pas à négliger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos comme ça. Et puis, bye tout le monde.